J'étais auparavant prothésiste dentaire. Voilà, je voulais intégrer une plus grosse entreprise qui m'offrirait des perspectives d'évolution plus importantes. J'ai été formé dans un premier temps à un poste d'opérateur et ensuite on m'a proposé de devenir chef d'équipe, leader de zone. Donc du coup, j'ai suivi une formation pour ça et j'y suis depuis un mois. J'ai fait 18 mois en intérim. Mon contrat s'est terminé, on m'a proposé un CDI intérimaire. Et là, depuis peu, depuis le 19 avril 2022, j'ai signé un CDI stop. Je ne pensais pas en arriver jusque-là et au final, c'est vrai que ça a été quand même assez vite. Je ne pensais pas du tout pouvoir évoluer si vite, effectivement. J'étais motivé et plein d'ambition, mais non, j'aurais jamais cru qu'au bout de 3 ans, j'allais devenir leader de zone. Pas du tout. Je ne connaissais vraiment rien du tout à la fonderie et à l'industrie. Et ouais, effectivement, on est formé petit à petit et on rentre dans le moule et voilà quoi. Ça reste des formations d'un mois, deux mois, on a le temps pour faire tout ça jusqu'à temps qu'on comprenne bien la chose. Il y a une fierté à travailler pour Stop, pour cette marque Made in France, un produit de luxe qui est prisé dans le monde entier et que les grands chefs utilisent, qu'on voit à la télé tous les soirs et ouais, on est fiers de ça, ouais. S'appliquer dans le travail parce que bon, il faut que ça sorte dans du premier choix, c'est ça le but. Oui, le challenge il est hyper intéressant parce que tous les jours on a des nouveaux paramètres, tout est remis en question, on sort des nouvelles pièces avec des nouveaux éléments. Donc du coup c'est hyper stimulant d'y réfléchir et d'essayer de faire du mieux possible quoi. Je pense que Stop vendra des cocottes dans le monde entier pendant très longtemps et pourquoi pas faire une longue carrière dans cette entreprise. Je pensais pas évoluer si vite, je pense que tout le monde a sa chance. Et qu'il ne faut pas hésiter, voilà.